le processeur. On est parti en direction du château de Chantilly. Je me suis fait une petite trace là-bas. Alors, bonjour à tous d'ailleurs, j'ai oublié. Bienvenue sur Gravel Bike IDF. Aujourd'hui, donc vous l'avez vu, on a monté le vélo sur l'attelage. Ça a pris un petit peu de temps. Pas encore trop l'habitude. On voit qu'il est accroché derrière. Ça bouge un peu. Je surveille avec la caméra de la Tesla. J'ai toujours un peu peur. Ça remue pas mal quand même. Ça remue pas mal. Bon, on va faire confiance. Petit arrêt quand même. Donc là je vais en direction des châteaux de Chantilly, j'ai fait une petite trace qui part du château qui fait à peu près 50 km dans le parc national régional de l'Oise parce que je vais aller cocher des Squadra là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Squadra qui se connecte avec à votre compte, enfin vous la connectez à votre compte Strava. Et ça va vous dessiner un petit peu partout où vous êtes passé. Alors ça prend un peu de temps pour aller récupérer tout l'historique Strava, mais ça vous montre partout où vous êtes allé. Alors, il y a les petits carrés, il y a les grands carrés, et bah, ça permet de voir en fait où on n'a jamais été. Et ça peut aider à dire bah tiens je vais faire une trace par là pour aller découvrir de nouveaux endroits. Donc moi c'est ce que j'ai fait, parce que je vous mettrai les photos là. Parce qu'aujourd'hui j'ai un gros manque. Côté parc d'Oise, là, je suis jamais allé. Moi, je suis déjà allé en voiture, on va dire, mais jamais en vélo ou en courant. Donc, on va aller réparer cette anomalie et faire une petite balade pour voir à quoi ça ressemble. Et donc là, voiture avec l'attelage. J'ai à peu près 50 minutes là pour y aller. On doit certainement pouvoir y aller en train aussi, hein, mais je ne vais pas trop regarder. Je mets où je veux et voilà, donc on est parti, allez go. J'ai eu un petit problème avec l'attelage vélo là, en fait il était que sur la première rangée du rail là, et en fait avec le vent la barre en fait elle est mobile parce qu'elle peut se replier quand on la replie. En fait le vélo il commençait à se pencher, il était incliné à 30 degrés là, il était même pas encore sur l'autoroute, donc j'ai un petit peu peur. Donc j'ai fait un arrêt juste avant de rentrer et je l'ai mis sur le deuxième rail. Donc là en fait il est en opposition là parce que le vent pousse toujours. Et le fait qu'il soit en billet, ça permet de le maintenir comme ça là. Mais je trouve que c'est un peu bizarre quand même. Donc quand il y a deux vélos, ils se tiennent. Mais voilà, un seul vélo sur le premier rail, en fait, le truc il se couche. Quoi. Je sais pas si c'est normal. Bon, j'ai jamais eu de porte-vélo avant. Ça m'a inquiété un petit peu. En fait, j'ai rétabli vraiment juste avant de rentrer sur la. Sur l'autoroute. Hein. Donc je sens que ça va venir, parce que là je suis pas encore. Pas très vite encore, mais petite frayeur. Bon, c'est comme ça qu'on se fait de l'expérience. On part pas encore en vacances là, mais quand même un petit trajet de quelques kilomètres avec l'autoroute et on voit qu'il y a des problèmes. Bon, on va espérer que ça tienne, mais en tout cas, il a l'air de bouger là. Là, pour les processeurs de Tesla, on voit que là je suis en voyant bleu. Il y a la petite caravane, il a détecté qu'il y a le mode attelage, c'est parce qu'il y a la prise qui est mise. Et quand on est comme ça, en fait, on ne peut pas mettre, l'autopilote. Et je vais aller dans les réglages pour enlever. Là, faut que je sorte ici. Enlever le mode caravane, tac, le mode caravane, le mode pédalier direction, tac, voilà, mode remorque. Donc attends, je prends le mode remorque, on va l'enlever, tac,
là, normalement. Voilà, l'autopilote est remis. Donc là, il est passé en orange. Bon, les feux marchent toujours, hein. C'est ça qui est important. Alors, bon, on peut remettre le mode. Ce que je vous disais dans l'autre vidéo, un petit peu rapidement à la fin. On va l'enlever là. Parce que quand on fait des longs trajets, ce qui est un peu le but quand même, de partir en vacances avec ces vélos, on a quand même envie d'en remettre l'autopilote. Donc c'est possible. Bon, allez, je vais couper, on va conduire quand même. Bon, je suis garé à Chantilly, dans une petite rue où c'est pas payant. J'espère que j'aurai pas de problème. Je suis devant un truc de pompe funèbre. Bon, je suis pas en avance, hein. C'est déjà 9h39, j'ai pas commencé. On va enfiler les gants en soie par-dessus les hommes grands. Ça prend un temps de malade quand même de partir faire du vélo loin. Donc là on est suivi à 7h. Le temps de tout. J'avais un peu préparé mais non pas assez. Bon il fait 5 degrés. On va déjà lancer le truc. On va faire ça. Tac. Pas trop loin du départ. D'autant d'eau. Alors, lui. La carte. Bien sûr, c'est vrai, c'est ça. On est parti. Plus qu'il va pas me rentrer bien. Bon, j'ai mes deux bidons. J'ai mon chien, j'ai mon trek. Tac, j'ai notre téléphone là. Le chrono il tourne. Bon bah c'est parti. Là il y a le champ de course et le chantilly. J'espère que je repasserai dans le château tout à l'heure. Je vais passer en voiture. Mon Garmin il craque déjà, là. Je vais le faire passer chez Pago. Ah, c'est pas possible déjà. Ça commence. Là, je sais pas où tu veux me faire traverser, Coco. Toi, tu vas me faire traverser.
par là, on rejoint où tu veux me faire aller. Mais... je dirais, ouais, je pars loin de la route et faire. Hippodrome de Chantilly, Classos. Il y a peu de courses aujourd'hui, visiblement. Petit 5 degrés, pas de soleil. Madame. Ouais. On arrive au grand parking, au grand pont. Le château est là. En fait, il y a un parcours vélo. Il y a un parcours vélo. Bon, il est fermé, je suis à 30 secondes. Les parkings sont fermés. Oh, alors il doit voir. Là, je suis là. Il y a un chemin spécial au début. J'ai l'air pour vous. Là, on est à côté du château. Côté du château. Tac. Voilà. Ça doit être un truc de chasse. Chasse à court. Pas le chemin, hein. C'est un vrai chemin à vélo en fait.
petit village sympa. En direction de Senlis. Je regarde sur une boîte à vélo là, je sais pas si c'est la Paris London ou une autre. Paris London, il y a une variante qui passe par ici. Il y a celle que j'avais fait qui va dans le Vexin. On dirait qu'ils ont une croix gammée sur leur truc. C'est une espèce de château là-bas. Les vrais cornages. Joli. C'est chouette. Oh, c'est quand même content, mais pas grave, il sort des palais comme ça. C'est qu'un vélo rouge normal. Touriste. Thank you.
scotch. Moi. Portier qui vient de tomber là, dans l'étager. Je suis arrivé un petit peu vite. Il faut vraiment ralentir. Je suis un peu là. J'ai un petit bout dans la boîte maintenant. Si vous ne voulez pas avoir. Allez, on va se boire un coup à la bidette. La bidette du coin. On fait la bidette là. Moi j'ai ma pomme. Petite pomme. Petite graine. Alors là je suis où là, à mon avis l'été c'est là qu'il joue au pétanque, à la pétanque, la petite buvette, c'est pour la pique-nique, pour faire un bikepacking, hein, c'est pas mal, un petit bivouac. Allez. Bon, on est en direction de Mortefontaine. Ça me parle, Mortefontaine. Je suis pas sûr de. Comme dans Automoto, il parle de truc de Mortefontaine. Je sais pas si c'est les mêmes choses. Bon, c'est beaucoup de route. Je suis un peu déçu. C'est sympa, hein, petite route. Là, comme ça, ça va. D'ailleurs, station départementale, c'était un peu moins sympa. Je vais faire une petite pause là. Mais c'est pas très grave. Là. Mais bon, c'est pas grave parce que là, le 15 avril, là, je vais faire la rando CCC Boulogne, là, du club de Boulogne. C'est de la route, 110 km, on va faire des collègues de travail. Donc bah, il faut un peu rouler parce que ça sera que de la route de toute manière. Donc il faut que je me réhabitue. Je pense que je changerai les pneus parce que les tout noirs, ça sera pas le meilleur rendement. Et du coup là, ça m'habitue un petit peu. On est dans le parc de Manial d'Hermonville. Hermenonville. Enfin, il y a le château d'Hermenonville, mais je pense que je vais pas y aller. Ça rallongeait pas mal. Je pense que je vais tourner avant. Bon, il fait pas trop froid. J'ai les chaussettes de Vendricelle en laine là. Pas du tout froid aux pieds. J'ai les surchaussures. Les mains, ça va aussi. Et j'ai des sous-gants en soie en dessous. Et d'ailleurs quand je m'arrête en fait j'enlève juste les gants tribans là. Et je garde les gants, ce fait que j'ai pas les mains mouillées. Et je peux remettre les gants facilement après. Ça, c'est plutôt cool. Et je prends pas froid aux mains en étant arrêté. Donc c'est plutôt l'avantage. Parc Jean-Jacques Rousseau. Bon, la trace va me faire aller vers le rond-point, la train de me faire partir en arrière. Je préférerais faire des points comme ça que de la nationale.
gendarmerie. C'est bon ça. J'ai l'impression qu'il y a plein de passages comme ça. Mais en fait, il ne les a pas fait prendre. Ça, c'est du gravel. Je suis hors parcours, c'est peut-être pour ça. Pédalier qui queen comme. Je vais faire une révision.
C'est beau là quand même. C'est beau. Une nuque la route. Ah, c'est sympa, il y a un petit côté rambouillé là. Fontainebleau là. Oh purée. Oh les chevaux là. Si tu veux passer. Oui. Ah, purée. C'est là-dedans, là. Il est 13h. C'est perle. Musée du cheval. Bon voilà, retour à Chantilly. La voiture n'a pas bougé. Voilà, donc 53 km en 3h30. Petite balade sympa. Bon, pas assez de chemin à mon goût. Mais bon, j'ai pris une trace sur Komoot. Je pense que c'était des cyclos. Mais en tout cas, je pense que j'ai gagné quelques quadras dans le coin. Et il faudra que je revienne tracer moi-même. Parce que je pense que il y a de quoi faire. Il n'y a
pas mal de chemin, donc il faudrait que je trace pour avoir plus, être plus satisfait. Allez, on remballe, j'ai froid au pied, j'ai froid à un pied, pied gauche, pied droit, ça va. J'ai la dalle. On va rentrer, manger. Allez, à ciao!